La municipalité de Sarreguemines souhaite renouveler le Conseil des sages pour les 6 années à venir. Un appel à candidature est lancé pour installer les nouveaux membres de cette assemblée consultative qui existe depuis 1997. Pour postuler, il suffit de résider à Sarreguemines, d'avoir plus de 60 ans et d'être à la retraite, pré-retraite ou sans activité. Les cérémonies du 11 novembre ont bien eu lieu malgré le confinement cette année. À Sarreguemines, l'hommage aux morts de la Première Guerre mondiale et à ceux qui sont tombés au combat cette année s'est déroulé place du Général Civil, sans public et en comité restreint. La campagne d'inscription au Resto du Cœur a débuté il y a une quinzaine de jours. À Bitch, le nombre de bénéficiaires est en hausse et pourrait même doubler cette année. La crise sanitaire a engendré une crise économique qui a mis beaucoup de personnes en situation précaire. Les distributions démarreront le 24 novembre et la campagne à venir s'annonce difficile. La commune de Kalhausen a connu plusieurs dégradations et incivilités. Aussi, elle a décidé d'installer 17 caméras de vidéoprotection sur son domaine public afin de dissuader les semeurs de troubles et de récolter des preuves en cas de problème. Les images seront gardées 30 jours et ne pourront être visionnées que par la gendarmerie, le maire et ses adjoints lors d'une enquête. Tout le monde le sait, en cette période de confinement, les commerces dits non essentiels sont fermés. Pour tenter de limiter la casse, plusieurs d'entre eux optent pour la vente en retrait ou en livraison. À Sarreguemines, le manager de centre-ville les référence sur le site internet de la municipalité. Certains commerçants se montrent particulièrement à l'aise avec le digital.